Bonjour, je m'appelle Emma, bienvenue sur infogarassi.fr. Oui, après le gâteau basque. Il y a à manger, à boire aussi. Allez, les talons, ils sont à combien? 3,50. Ça va, c'est raisonnable. Bonjour. Vous êtes un joueur de rugby, vous avez joué à Biarritz? 5. Maintenant vous faites le force basse maintenant. Parlez-nous un peu de vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous jouez où? Dax. À Dax? Ouais. Ah, d'accord, en fédéral 1? Fédéral 1, oui. D'accord, ça va, ça se passe bien? Très bien, mais d'accord. Oui, c'est la première fois que vous faites la force basque? Oui, mais première avec Antonio. C'est la première fois qu'il a fait. Ouais. Ah, c'est sympa, c'est gentil. Voilà. Comment vous appelez-vous? Tonio. Très bien, vous venez de Pouillon, je crois, c'est Pouillon, ça? Pouillon, pareil. D'accord, c'est la première fois que vous participez à cet événement? Non, ça fait la troisième fois. D'accord. C'est la première fois. D'accord, la dernière fois, combien vous êtes classé? Oh, je ne me rappelle plus, je crois qu'on était quatrième, je crois. Ah, quatrième, mais c'est ouais. Bien déjà. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci Sokeita. Merci. Ouais. Bonjour. Là, vous avez joué à Bayeux, non? Oui. Ah, c'est Polité? Oui. Ah, bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien, vous venez vous mesurer avec le basque? Oui. D'accord, qu'est-ce que vous pensez à cet événement? Je vais tester. Vous allez tester? C'est la première fois? Alors, c'est quelle discipline vous allez faire, vous? Tirage. Tirage encore, non? D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes à Dax, vous aussi? Oui, à Dax. Ah, d'accord. L'année dernière, vous étiez avec les espoirs. Oui. Voilà, oui, je me rappelle, oui. Merci beaucoup. Ah, monsieur, se prépare. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous? Bien respondre. Quelle discipline vous faites, vous? Le tir à la corde. Le tir à la corde. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui pour être costaud? Mais très léger. Très léger? Très léger aujourd'hui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Nicolas Elissalde. Vous venez d'où? Saint-Martin-d'Arveyron. Parlez-nous de votre équipe. Alors, l'équipe de Saint-Martin-d'Arveyron est une des 8 équipes qui vient participer au Festival de Force Basque depuis de nombreuses années. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui a le plus de titres et qui a remporté le plus de fois le Trophée Sud-Ouest. Et voilà, on s'est entraîné depuis de nombreux mois pour être prêt pour toutes ces épreuves. Donc vous avez l'assise, la charrette, le lever de paille, la course avec le sac de maïs, l'épreuve de bûcheron et l'épreuve reine, le chocatilla. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin avant de venir? Qu'est-ce qu'il faut manger? Comme tous les sportifs, on mange quelques heures avant pour ne pas avoir ce qu'on a mangé sur le ventre avec des pâtes, du poulet, voilà, des sucres là. Elissade, normalement, vous pouvez nous quelques mots en basque? Oui, mais... Kontengila emen izaita egun, et nahi dugu egin alduguna egin, et espero dugu irabaziko dugula. Milesker, merci à vous. Vous venez d'où? De Bordeaux. Elle est où la présidente? C'est qui? Non, sinon, qui peut nous parler? Comment vous avez connu cet espoir? Moi, je suis basque. D'accord. Et vous êtes d'où ici au Pays Basque? Oui, mais côté espagnol. Ah, espagnol, d'accord. C'est la première fois que vous venez? Oui. Ah, d'accord. Donc, vous êtes parti à quelle heure ce matin? 7h. On s'est levé à 5h. Mais ça vaut le coup, parce que ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est énorme. Vous pouvez dire milesker? Milesker. Oui, ça veut dire merci en basque. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Pardon, François.
appelez? Comment vous appelez-vous? Haïti. Haïti, vous êtes où? Saint-Palais. Parlez-nous de cet événement. Vous qui êtes ici, si vous connaissez un peu. Je comprends pas. Cet événement qui est, je crois, c'est le 69e. On est tellement habitués ouais. à voir et tout. C'est un plaisir, on revient toujours. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes du Saint-Palais? Une fête pour vous. Une fête, quoi. Ouais. Est-ce que vous-même, vous l'avez fait ça quand vous étiez jeune ou non jamais? Oui, on a travaillé et tout. On a participé beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Vous pouvez nous dire quelques mots en basque? En basque, je te demande. En basque? Oui. Milesker, merci beaucoup. Bonjour, cher public. Nous allons assister au 69e festival de la Conservation de Saint-Palais. Comme nulle part ailleurs, Saint-Palais est le berceau de la conservation. Un cortège amené par Rémi Lemarin, romancier champion, qui fait partie des responsables aujourd'hui. Émile, s'il te plaît. Avec son capitaine Philippe Pascuro. Lève le bras, Philippe. Deuxième équipe, Jules Su et son capitaine Dominique Inchospé, Sinta Orange. Tu portes bien la casquette, Dominique. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, c'est pas grave. Troisième équipe, les sous le thème de Moncayol et leur capitaine Rémi Cazenave, Sinta Violette. Quatrième équipe, les sous le thème d'Ordiard, Sinta Verte, dirigée par Guillaume Tenagori. Lève le bras, Guillaume. Ok. Cinquième à leur Sinta Noire, les Landais de Pouillon et leur capitaine Serge Saint-Cric. Sinta Bleu, Saint-Jean-le-Vieux, Pierre Espoir, le capitaine. Où es-tu, Pierre? Le trophée sud-ouest, présente-le, s'il te plaît, Pierre. Invincible, APC. Allez, parfois. Et après, c'est pas les 6 à 11, Olivier Martin.
Entreprise Castillon Travaux Publics, entreprise Etchargé Rissami, groupe Amal et Crédit Agricole. Un vrai morceau du Pays Basque, excellent fromage. Et enfin, la mairie de Saint-Paul. On va finir et on continue. Allez, on avance. On avance, on relâche pas. Allez, vous êtes bien, allez. Attention, monsieur le juge, ça s'approche pour les vainqueurs. Vous appelez, venez. Parlez-nous, vous êtes premier, c'est lui, hein? Ah, c'est ouais, mais c'est la même équipe. Voilà. C'est lui qui doit parler. Parlez-nous un peu de ce. Ouais. Comment vous avez entraîné tout ça, les entraînements? Ah, ben les entraînements, c'est. Viens ici, toi, on t'échappe pas, reste avec moi. Oui, parlez-nous un peu, vous êtes premier déjà de la force basque aussi. Oui, bon, c'est des entraînements trois fois par semaine. Les résultats. Il faut couper un maximum de tranches. Du concours de Chegali, les scieurs de bois. Et puis petit à petit, mais on a les bras, le corps qui s'y fait. En quoi. Deux. Il y a les autres épreuves à venir, mais c'est bien déjà 53. De marquer les premiers points. Deux, oui, 24, ça donne de l'espoir pour les premier autres. Premier Ordiard. Comment vous appelez? Moi, capitaine. Capitaine, comment? Deuxième. Comme le capitaine. Merci beaucoup, capitaine. 2 minutes 5. Allez. Attention messieurs, attention Emile. 3, 2, 1, go! Et c'est parti. Il faut bosser là, What? Nous rappelons Jean-François que c'est de la terre battue avec des bras de cœur. C'est pas du chimie, là, c'est pas du chimie. Allez, parce qu'il faudra renouveler les forces toute l'après-midi. On souffle bien, attendez encore, on souffle bien. Allez, ça va venir.
mental. Ça fait déjà 2 minutes que ça dure. Excusez-moi. Hein? Vous devez y aller. Ouais. Pouillon, qui avait terminé 4 fois. Qui avait terminé 5e l'an dernier et Saint-Palais 6e. Vous voyez que ce sont deux équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Comme disent les speakers dans le cyclisme. Allez, on va faire.
Allez, attendre. Ouais, mais bonjour à la femme. Il va me prendre. Ouais, bon, équipe, non, mais on s'est tenu pendant 2 minutes. Et voilà, et puis après, on a vu qu'ils avaient des erreurs de placement. Et c'est là qu'on a commencé à attaquer gentiment, à notre manière, avec notre gauche-droite, là. Un petit peu comme un peu toutes les équipes, mais nous, on a une petite particularité avec de l'arrière qui se. Bon, je ne vais pas dévoiler tout à la caméra. Voilà, ça donne le bon tempo de l'après-midi. Merci beaucoup. Non, mais merci à toi, là, ça. On a le temps, soufflez. On tient là, hein. 2 minutes. Vous remontez pas. Et ça n'a toujours pas beaucoup bougé. On a le temps. Voilà. Non, on reste dans les trous. On reste dans les trous. Allez. Passez devant vite. Ça commence à péter là-bas. Oui. Et vous pouvez tenir. Allez, on a le temps. On a le temps. Ah, je crois qu'on peut commencer à les encourager. On a le temps. Les éliminatoires, là. C'est un temps qui est particulièrement long, Jean-François, je crois. Ah oui. Donc Saint-Martin d'Arbérot l'emporte en 5 minutes
5:24. 5 minutes 5. 5 minutes 24. Bravo, félicitations. Oui, merci beaucoup. Vous appelez, vous êtes le capitaine. Voilà. Capitaine Narp. Narp, parlez-nous un peu de votre équipe. Comment? Parlez-nous un peu de votre équipe. On peut parler un peu plus là-bas. Okay. Il y a une autre équipe qui arrive là. D'accord. Mais juste oui. La démo, juste la démo. Oh, d'accord. Voilà. Juste ce que vous pensez. Là. Mon équipe, c'est un petit village qui représente Saint-Martin-d'Arberoux. J'en habite un petit village à Saint-Martin-d'Arberoux. La petite province. À 20 km de Saint-Palais. La Soule. Petit village de 300 habitants. La capitale de la Soule, c'est Mauléon. Mauléon Richard. Et à côté de Mauléon, il y a deux petits villages. Comment? Vous pouvez dire quelques mots en basque? Qui s'appelle Ongietori. Ongietori. Ce sont des fidèles. Hey Laurent. Hey mec. Nickel et entière. Bon, vous êtes pour qui? Vous êtes pour Ordiap ou Moncayol? Vous voyez? C'est vous qui voyez. Allez, on droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite. Allez. 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 Domination d'Ordiap. Et après la domination, la victoire d'Ordiap. Bravo, messieurs. Pas facile de tirer la corde, mais croyez-moi. Ça n'a l'air de rien, mais... Une épreuve très compliquée de tirer la corde. Un savoir-faire, une puissance, une délire. Il a un très très beau concurrent. Déjà, premier tour. Suivi par son capitaine. Encore une très forte. Allez. Une épreuve très 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 difficile. Hein. Qui parle avec les roues? Revenu chaque année des 5 années, c'est pas du chiquier, ni de démonstration. C'est le corps sur place à 5 années. Troisième tour. Come on.
Lyon. Julien Ladonne. Bravo, félicitations. Julien Ladonne. Quel match. Bravo, félicitations. Groupe Castillon. Et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Parlez-nous un peu de ces entraînements que vous faites, un homme fort comme vous. Je me suis entraîné 3-4 fois par semaine, mais apparemment ça suffisait pas. Mais vous avez déjà fait un superbe parcours. Oui, on peut faire largement mieux. En plus de quoi, pour vous avez détenté de ce titre l'année dernière, c'est vous qui avez gagné. 26 mètres 29. Oui, mais 106, bon. Les années 29. Ne se ressemblent pas, malheureusement. Merci. Bravo à mon collègue, 106, 29 pour Saint-Jean-le-Dieu.
de se préparer. Parlez-nous de ce parcours que vous venez de faire. Vous êtes en tête en plus. Merci beaucoup. Donc c'est pour moi aujourd'hui la 15e participation. Que ça me tient à cœur pour l'équipe de Gavat. Je laisse beaucoup de jus au tir à la corde tout à l'heure et 5 minutes de tir. J'avais l'objectif de 6 tours. Je n'ai pas réussi à atteindre. Mais très content de ma prestation. Et vous êtes premier là, c'est bien, bravo. Je suis premier, il y a du monde encore derrière. Et voilà, le classement se fait à la fin. Merci beaucoup. Merci. Parlez-nous un peu, là vous êtes devant. Je suis la seule dernière à passer. Donc je suis passé, il y a un petit avantage. Le temps pour Mathieu Kessel, c'est messieurs. Il y a un petit avantage pour voir la distance, pour ce jusqu'à où aller. Il faut redresser beaucoup de mental et beaucoup d'envie. Là vous êtes en tête, là. Normalement vous avez gagné, là. Bah, on a gagné, là. Merci tout bon. Monsieur, vous venez de quelle équipe? Saint-Martin d'Arbéro. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Assez rapidement. Allez, pousse, 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 allez, pousse
seconde. Demandons à la responsable des billets de Boris de nous porter les billets, s'il vous plaît, pour le terrasse final. La responsable des billets de Boris, portez-nous les billets, s'il vous plaît. Allez. Charlie, souffle un peu. Hein.
félicitations aux finalistes. Je suis pour la deuxième année consécutive. Nous allons procéder à présent au tirage de l'eau de la police pour le choc à tirage que l'on faire par l'établissement de l'eau. Dominique, une chose qui s'il te plaît. Et le conseil départemental pour...